ici Peste Mojo. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Final Fantasy Tactics Advance. La dernière fois, nous avons quand même fait 7 missions. 7 missions de livraison. Certes, mais 7 missions quand même, qui fait une grosse avancée quand même. En à peine 40 minutes. Donc, je vais alors tout de suite faire la mission de Cheetah. Y a pas photo, j'en prends aucune autre. Je regarde juste où c'est. Grotte de Galeria. Normalement, c'est en bas à gauche. Et j'ai oublié de faire un truc parce que je suis con. Au passage. Et ça, c'est un détail. J'espère que c'est ça. Ah, si c'est pas ça, je suis un peu deg. Je vais bien l'avouer, je serai un peu deg. Oui, bon. Un conseil de Cheetah. Je crois pas que c'est elle. Je sais plus. Bon, on va faire PA déjà. Non, c'est pas eux. Bon, fuck. Je suis un peu deg, hein, mais juste un peu là. Hein. Vous voyez, j'étais. Ouais, ouais, c'est ça. Et bah non. Allez, T33. Allez, on prend le maître Chocobo qui a aucun déplacement, mais on s'en fout. On prend mon assassin. Ouais. La hausse de PA, voilà. Ah, arme à distance. Oula. Ah. Mais ça parle de nous rendre visite, les jeunes. Mais attention à pas vous blesser avec vos armes. Ah, ah. Ainsi, si vous nous regardez faire, vous apprendrez peut-être un truc. Et sur un, vous ne pouvez pas trouver meilleur clan ni des spécialistes. Gras. Caca. Dites, vous ne pouvez pas abréger les présentations. Je n'aime guère l'attitude de ce fantôme. Bref, je disais qu'une arme, c'est pas un jouet. Sans concentration, tu risques de te couper et de te faire plus mal qu'à ton adversaire. Donc, faut se concentrer, pigé. Bon, ceci les conseils. Montrez-nous votre valeur maintenant. Caca. J'ai l'impression que tout son discours est destiné à nous embrouiller. Enfin, pas importe, nous allons gagner quand même. Option interdiction. Ah, la commande attaquer. Donc si j'utilise une compétence, ça passe. Donc si j'utilise la compétence Naja, c'est nickel. Je suis en train de regarder un truc. Voilà, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je suis en train de regarder un truc pour avoir pour faire l'émission de Chocobo. En fait, ils apparaissent certains mois. Vous pourrez par exemple capturer un Chocobo jaune en faisant combattre les fées malicieuses. Un mois à Roséal. Ok, Roséal. C'est pas maintenant quoi, en gros. Invocation, licorne.
Ah oui, c'est vrai, il faut que je lui ai des points de vie, sinon les autres risquent de l'achever. Une attaque qui fait moins 110, je crois que ça le régène là. Une attaque physique qui fait moins, ça régène, donc j'ai pas voulu le faire. Ah, j'ai un peu baisé là en fait. On va faire Naja pour qu'il se régène, hein. Sinon, on avait de grandes chances que c'est eux qui le tuent et je viens de faire bugger mon... Ah, ce cap de merde qui est trop sensible. Mais je touche pas ton cap, fais pas chier. Ah, j'y touche pas au câble et... Putain, c'est trop feu de mon sensible cette connerie de câble. Bon, il a fait l'attaque ténèbre, il s'est régénéré au passage. Ah mais putain, ce câble il m'énerve. Faut pas que le guerrier l'achève, sinon... Fuck. Ah, c'est bon, c'est pas au guerrier de jouer, c'est bon, c'est moi qui l'achève. Ah non, il va faire ténèbres. Bon, j'achève que dalle. Ah non, il fait léthargie. Voilà, fini. Bon, on va voir combien de pièges j'ai gagné. On l'a eu à nous la victoire. En général, une quête comme ça, ça doit valoir entre 30 et 50 pas. C'est bien joué les enfants, faut le reconnaître. Bien sûr, c'est grâce à nos conseils que vous avez remporté la partie, mais bon. Quel conseil? Ah, la concentration. Je pense qu'on le savait avant, mais merci quand même. Ah, et vous avez de l'humour en plus. On s'est bien amusé aujourd'hui, à la prochaine. Tâche. C'est pas la mission là. Sérieux? Gagner autant d'XP sur cette quête de merde? Seriously? Bon, bon. Ah oui, 90! Ah oui, oui, quand même quoi. Ah oui, aux EPA, je vais t'adorer. Hein. Je fais 11 missions et c'est bon. Je te préfère avec des épées, hein.
Allez, mon groupie, ok. Mon Kratson, ok. C'est quel mois déjà? Rosial. Ah oui, eh ben là justement, la fameuse... La tour lunaire, que je ne ferai absolument pas maintenant. Je n'ai absolument pas... Je peux le faire, mais j'aurais très du mal au dernier étage. Donc je préfère attendre. Mais je pourrais le faire là. Ça sera vraiment vers la fin du jeu. Agression de sexe opposé. Donc faut que je prenne... Attends, c'est qui mes amis? Ouais, alors il n'y a qu'une fille, donc faut que je prenne qu'un mec, quoi. Donc le reste, c'est que des mecs. Donc faut que je prenne que des filles, quoi. Bon bah, l'honneur à la femme, hein. J'ai pas d'autres femmes dans mon groupe? Non, 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 non. C'est quoi ça? C'est une fille ou c'est un mec? Brilla? Ouais, mais ça dit pas son sexe! Brilla, Brilla, ça fait très fille niveau pseudo, mais dans le doute, on va pas. On va. Attends, logiquement, si c'est une fille, attends, attends. Si c'est une fille, elle peut équiper serre-tête et ruban. C'est pas considéré comme une fille. Ok, Brilla, c'est un mec. Ok, t'as tout sauf un nom de mec, mais bon, c'est pas grave. Hausse de PA, attends. Ah, je vais abuser de cette compétence. Gilan, nous voici arrivés à destination. Un doux climat, Mr. PC. L'endroit parfait. Oui, le lieu idéal pour que les cornes noires règnent sans partage. Les cornes noires? Vous semblez nous connaître, qui êtes-vous? Ah, le fameux clan de mercenaires. Nos éclaireurs nous ont parlé de vous. Oh, je vois que notre impression nous précède. Tu demandes ce qu'on fait ici, je vais te le dire. Notre gouvernement a confié une mission. C'est pire qu'une taupe, ce mec. Tu veux savoir laquelle? Pourquoi pas? Chichichi, tu vas pas le croire, prends le contrôle de tout géant, là. Duc. Cela suffit, inutile de les provoquer, nous avons bien assez d'ennemis comme ça. Chichichi, c'est pour ça qu'on s'amuse autant, hein, McWhis. McWhis, tu penses qu'ils savent très bien qui on est et ce qu'on est et ce qu'on veut. Une armée surpuissante commandée par Katsunecho, ça ne passe pas inaperçu. Voilà donc les Katsunecho dont parlaient les autres membres des Cornes Noires. Et qu'est-ce que voit le clan, s'il n'y a qu'on peut faire? Nous éliminer pour sauver Gilland, peut-être? Ne leur donne pas des idées, Duc. Tu m'as envie de les affronter, n'est-ce pas? Chichichi, rien ne voit un petit combat pour se dérouiller après un long voyage. Puisque tu veux te battre, on va te faire plaisir. Mais je te préviens, tu vas le regretter. Oh oui. Le regretter? McWhis, le mirage. Aïe.
Ça va être chiant de te toucher sans toucher les deux autres. Oh, tu donnes un petit éther. Oh. Moi, j'aime mieux. J'utilise pas l'item et je gagne deux fois ta... augmentation de MP. C'est mieux. Bon bah licorne, on va soigner mon personnage qui s'est fait blesser hein. Ça serait bien que je puisse apprendre des compétences genre anticipation, améviera, tout ça. Des compétences de réflexe parce que j'en ai toujours pas. Oh mais vous avez une dent contre elle. Possible. Pas le choix, je pourrais rien faire. L'arcanisme me fait peur par rapport à l'autre. Dévastation. Agression du sexe opposé, merde! J'ai compris la loi à l'envers! Bon bah, vu que c'est comme ça. Oh le con! J'ai lu la loi à l'envers! Agression, hein, agression du sexe opposé, bah non! Les filles doivent attaquer que des filles, les mecs que des mecs! Ah, j'ai pas compris la loi! Non bah, rip le bonus de. De PA! Hein. C'est chaud, je vous apporte un message. Que dit-il? Nos deux clans ont été attaqués, il y a de nombreux blessés. Nul ne connaît l'identité des agresseurs. Cela ne dit rien qui vaille. Nous n'avons pas le choix, il faut leur porter secours. Indique-nous le chemin. À vos ordres. Attendez, et notre combat alors? Pas d'inquiétude, ce n'est que partie remise. A plus tard donc. En route, Duc. Dommage, juste quand ça devient intéressant. Non, j'ai gagné un level, certes, mais putain, j'ai pas eu le bonus de PA. Et fuck. Ça de lire une loi à l'envers. Ah ouais, 30. Ah oui, bonus de PA, c'est le triple. Que les quêtes rapportent 30 PA seulement. Ah, le clan PSMO, je savais bien que vous n'irez pas vous voir. Pas si on vous attendait ici. Vous arrêtez pas de jacasser. Ah, t'es poli au moins. Bon, allez, c'est pas grave. Et recommencez pas. Hein. Voilà, quête facile. 30 PA gratos. Pâcher dessus. Mon repu ou mon Aldana, ma quête. Bon, c'est facile, moi lire correctement loi. Ouh, un dragon. Bon, bah, je vais prendre mes deux dracos aussi, là. C'est quoi la loi? Agression des faibles. Ah, merde. Il y a 90% de chances que je peux pas faire la loi. Ah, bah oui, je peux pas. Bon, bah... Ah, j'ai bien vu un truc voler. Vous m'excusez s'il y a un gros bruit. Il y a une mouche là qui me fait chier.
Ouais, bon, bah, on va y aller à gros coups d'unités à distance qui ont les techniques pour. Attends, David, il est passé en quoi? Boléro, du moins. Faut que je passe en chasseur. Bon, et les autres, ils ont leur technique de dragonnier ou pas? Âme du dragon. Âme du dragon, c'est bon. Ouais. Bah, étant donné que je ne peux pas faire ça. Hausse de. Ah oui, j'ai pris hausse de mobilité aussi niveau 2. Eh bien, vous en avez mis du temps. Je n'ai pas l'habitude qu'on me fasse attendre. Bien, la créature que je souhaite affronter se trouve juste là-haut. Un dragon pour après combat. Eh bien, bonne celle-là. Une personne de mon rang ne saurait accepter une créature moins noble et majestueuse pour son baptême du feu. Ah là, ces débutants, ils confondent toujours témérité et bravoure. Bouffons ce dragon avant qu'il ne la croque toute crue. Eh non, il la fera cramer avant. T'as jamais vu Game of Thrones, gamin? Les dragons font cramer leur proie avant de les bouffer. On l'a fait monter, mais on va pas attaquer maintenant. On va laisser tout le monde bouger un peu, hein. Parce que je suis sympa, je te file un obus éther. Remercie-moi, seul bourge. Bourge prétentieuse que tu es. Ouais, déjà j'ai augmenté ma mobilité pour aller plus vite. T'aimes pas le sacré? Bon bah j'ai rien de sacré à te proposer, gamin. Non, on va attendre. Sérieusement là? Putain, je peux même pas l'agresser. T'es un faible. Le con est niveau 33.
Oh puis merde. Je suis pas bien content que ça finisse, c'est stressant ce genre de boulot. Mais c'est pas si terrible que ça, je vous remercie pour votre aide. Elle s'imagine sûrement qu'elle serait sortie toute seule. Père sera sans doute fier d'apprendre que j'ai vaincu un dragon pour mon premier combat. T'as rien fait, connasse! On va aller revoir notre. Notre magicienne du marais. On n'a pas pu se trouver ailleurs celle-là. Tu es un étranger qui soit en multiplie tes idées dans cet endroit perdu. Tu ne sens pas avoir peur de moi. Et toi, tu fais quoi ici? Cette potion magique? Enfin, je suis venu pour une chose précise. Tu te souviens du filtre d'amour? Et bien, une fois la fièvre passée, on dirait qu'il a fonctionné. Je te dis que ma mixture pour soigner la fièvre n'est pour rien dans cette affaire. Finalement, le fil d'amour n'était pas si raté que ça. On dirait que ça t'amuse. Quizmin, vous êtes si drôle. Bien malin, celui qui comprendra votre logique. Comme vous changez sans cesse d'avis, je ne sais pas si ma potion aura l'effet escompté. En tout cas, ce n'est pas la plus ardue des mixtures. Et voilà, affaire réglée, il va vite lui apporter. Merci beaucoup. Tout ça est divertissant. Tant mieux, au revoir. J'en ai marre, fais des allers-retours. Ça coûte 300 giles quand même. Mec, t'en as 100 000. Mais même, c'est cher. En prenant que 1 gil et 1 euro, ça fait cher quoi, 300 euros. 300 euros le voyage, ouf, ça fait mal au cul. Bon, je suis riche, mais quand même. Mal au cul quoi. Mec, t'as 111 000 gil. Qu'est-ce que tu te plains? Mais je suis radin. C'est tout. Je suis radin. Attendez, je commence à vendre certains équipements qui servent à rien. Merci. Une fois que je vous ai donné ceci, elle reviendra à la raison. C'est quand même incroyable que le fil d'amour ait marché alors qu'il était incomplet. Je ne comprends pas moi non plus, je t'assure que c'est un accident. J'ai tellement peur qu'elle me déteste quand elle reviendra à normal.
Elle trouve elle était juste amoureuse de toi à la base. Et ça a juste fait le déclic. Oh, j'ai fait une de ces gaffes. J'ai aussi cette solution à pas exclure. Mais bon. Juste que le fil d'amour raté a un peu poussé le truc, quoi. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Ça me concerne pas. Allez, la dernière mission et puis voilà, ça sera bon. Bah, c'était pas ici. Ah non. C'est ici, mais de l'autre côté du continent. Oups, désolé, j'ai sifflé, ça a dû vous péter les oreilles. Oh, elle m'en fout. Ah mais, j'ai encore touché à ce putain de câble. Mais où, comment, pourquoi? Et lui, il commence à grave me faire chier ce câble de merde. Je peux pas t'utiliser malheureusement. Oh, la mission, elle va être facilement. Y est. Hé, là-haut, c'est toi le journaleux du clairon? Bah. Ah oui, c'est vrai, faut que je leur fasse une voix allemand accent raté. Va me faire le plaisir de récupérer tous tes magazines en vente à Mohamela. Il n'y a rien que des mensonges dans ta feuille de chou. Je vais pas me laisser calomnier comme ça. Encore un lecteur cinglé. Moi. Si t'as des réclamations éditoriales, reste-toi à mes gardes du corps. Discute un peu avec eux, on parlera de l'exactitude de mes articles ensuite. De toute façon, faut que tu saches que le responsable du magazine, c'est pas moi, mais son propriétaire. Il doit parler à mes gardes du corps, puis à vous, proprio, avant de se plaindre à moi, hein. En gros, le lecteur en chef dit qu'il n'est responsable de rien, mais je me demande ce que ce fan de Prima Domain lui reproche. Je suis un maître d'armes, un laniste professionnel. Mon père et mon grand-père étaient aussi des lanistes, ils ont gagné plein de combats. C'était des hommes d'exception. Mais le clairon insulte leur mémoire. De quel droit fais-tu que laniste est la plus faible des classes? Clan, baissez vos jeux, soyez mes témoins, regardez-moi châtier ces deux menteurs.
Que racontes-tu là, espèce d'excité? Tout le monde sait que la classe la plus forte sont... ce sont les berserks. Ensuite, il y a les trappeurs. En tout cas, les lanniers s'arrivent en bondage, et c'est clair. Finalement, il n'y a que la manière forte qui te fera comprendre ton erreur. Mais comme je suis un peu malade, aujourd'hui, je laisse au proprio le soin de te convaincre. Ah oh, c'est pas une bonne idée. Le proprio du magazine, lui est aussi fatigué. Heureusement, dans son infamie sagesse, il avait tout prévu. D'engager un service d'ordre au cas où des fâcheux comme toi auraient à se plaindre du magazine. Service d'ordre, à la rescousse. Moi, hein. Allez les gars, vous inquiétez pas pour notre petite santé, battez-vous sans pitié. On devait simplement assister au duel comme témoin, mais vu les forces en train, il va falloir intervenir. Ouais, mais c'est à beaucoup pareil. Ayate no Gotoku? Aïe. Le voleur a tellement de rapidité qu'il peut jouer déjà une deuxième fois. Il va se faire violer mon... Ah non, il a décidé de changer de cible. Je peux jouer un jour? Je demande ça comme ça, hein. Bon, ça va, il focus pas le Titi. Mais crotte de bique! Les mecs, t'es en train de me défoncer la rico là. Non mais... crotte de bique. On va dire que vous n'êtes pas vraiment les ennemis les plus dangereux, hein, vous avec votre niveau 10 de merde là. Là, ah, en plus je me suis régénéré, et j'ai ni le mec chiant. Oh, en plus du platine, il largue le mec. Au calme. Oh, roi de défense. Je crois que j'ai débloqué la classe Lanis, que je mettrai sûrement au mon mec, vu qu'il a rien de très intéressant à appris, quoi. On va changer un peu de classe. L'autre, je l'ai pas attaqué, donc je m'en fous. Je m'en fous de régénérer de ton chef, je l'ai pas attaqué. Okay.
Merci Toto, je suis gamin. C'est bien que lui, avec ça, il peut se régénérer facilement. Oh, Succion. C'est pas vraiment un duc, t'aurais dû mettre ça, mais bon. On va balancer ça sur mes deux archers. De mes gars qui attaquent à distance, ça aurait été beaucoup plus utile. Mais bon. Ouais, vas-y, passe devant. Ouais, silence, c'est un mec pur physique, quoi. Mec, cherche pas, t'es mort. La flemme de bouger. Oh, je dois bouger d'une cave. À nous la victoire! Trop fort, j'ai gagné! Avec votre aide, bien sûr! Ils ont vu de quel bois Alanis pouvait se chauffer! Et nous qui pensions que les fans des Primadonnas ne savaient pas se battre? C'est sûr qu'être admirateur des Primadonnas, ça prend du temps, mais les techniques d'Alanis ne s'oublient pas comme ça! D'ailleurs, je vais vous les apprendre, j'espère que vous ferez bon usage! Voilà. Bon, bah, j'ai débloqué une autre classe. Oh, la forge, je les aurais toutes débloquées! Oh, une pierre de glace, tiens. Bon, bah, vu qu'on est dans... Ah, 90. C'est beau. C'est beau, quand même, le 90. Thank you.
Magasin. Une barrette. Ah, la Wigarde. Vengeance. Bah voilà que je voulais. Je viens de l'avoir. Ah, le plastron osseux. Contre-attaque. L'autre que je voulais. Mais surtout pour l'absorption des ténèbres. Surpassement. Biblon, on s'en fout. L'arc mille. Focalisation, c'est cohérence en gros. Alors les trucs qu'analyste peut apprendre, c'est quel jeu, c'est quel truc analyste. Ah ouais, ça peut être pratique. Ouais, franchement, on s'en fout. Ah, absorption physique, oh. Aura de défense, ça peut être utile. Lannister, on s'en fout. Point de fer, ça fait quoi? Charge brutale. Trente-cinq, trente-sept. On va voir ce que je peux foutre. Améga. Ça, c'est ça que je voulais, mais bon. Non, c'est pas ça, c'est Wigarde.
Ah, la commande attaquer seulement. Ah, riposte, c'est mieux alors. Merde. Alors, contre-attaque, c'est mieux. Seulement, ok. Donc sur ce, mes petites passes bonjour, je vous remercie d'avoir regardé, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, et sur ce, salut salut!